Because of this gospel présenté. Et les gens comprennent souvent mal. Quand nous parlons de gospel, en anglais, gospel, là, veut dire une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est témoigner Jésus-Christ. Donc que personne ne te méprise, car la route est encore longue. Nous avons pris la décision, Seigneur, de te servir dans toute la vérité. Nous allons, Seigneur, faire le nécessaire pour amener l'évangile aux extrémités de la terre, comme tu nous avais demandé. Yahweh, nous sommes nombreux en ce lieu. Tu t'es choisi ce peuple mis à part pour témoigner ta voix. Moi, je crois fermement que toute personne qui est en ce lieu, il est autant de grandeur. Alors, Seigneur, fais-tu bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on va parler de Jésus-Christ de Nazareth? Maintenant, s'il vous plaît. Non, le Seigneur. Hadita Baruke. Mouke kaka, mingi de papa oiba. C'est la gamme, mouke songe ga, mouke. Côté bagozana studio, mouke kaka. Yes, hello. Mouke kaka. Nazana ya ya nangaye. Gaina pangali kamboteo. Samo ya moni na ya ya rangai. Hele ki somo goli a tenyo soko la pamola. Na côté le teme. Naleli. Dieu, 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 Dijan Zambin Dieu, oh Dieu, 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 Dijan Zambin Dieu. Merci à vous. Yoani a causa que mai na miso o amona ki bobo.
boniseli ememi ngai lelo na bomo bazwa ki emwana na pate nilingi na Yesu azala ki meka ya lisa kolo ya Biblia bana kokela mapesa maki na babo minyama afungola ki mongongo te azala ki na singa ya mokano na nzambe Ah, biso toweli bomoi nala kondima kozwa singa ya mpufa na kingo na ye lokola ntaba ya mwana na pate Ne koyaka mona pepila Yesu
Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, nous sommes le premier, non le dernier. Amen. Toi qui es venu le premier, tu vas occuper la première place. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends pour qu'on commence. Je vous salue tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis votre sœur, je suis la fille de ta mère. Je suis la fille de ton fils. Est-ce que tu la fille de ton père? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis la servante de l'Éternel, la prophétesse Magdala de Nazareth. Et si je suis aujourd'hui au milieu de vous pour élever seul le nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Pouvons-nous nous mettre debout, s'il vous plaît? Je vais t'inviter à refuser de regarder celui qui est à côté de toi. Que tes yeux maintenant soient tournés vers ton Dieu. Amen. Ouvrons nos Bibles parce que la Bible dit tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dans le livre des Psaumes 100, et je vais demander au pasteur Nonon de faire la prière de l'ouverture. Gardez toujours l'attitude de la prière. Nous sommes devant la présence de notre Seigneur. Tendre Père, Dieu de gloire et d'amour, Seigneur, je te bénis encore une fois ton nom ici dans ce lieu de plus. Pour ton amour, Yahweh, que tu nous as protégés et que tu nous as ramenés dans ce lieu pour glorifier ton nom. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Il y a une chanson qui monte dans mon esprit. Quelque chose de bon se passe à moi. Quelque chose. Quelque chose de bon se passe en moi.
Abandonne ton corps, ton âme et ton esprit dans la main de Dieu. Dis à Dieu, tu veux que quelque chose de bon se passe aujourd'hui en toi. Tu veux que Dieu te visite. Moi, je ne suis pas venu visiter quelqu'un. Mais je suis venu à la présence de mon Dieu. Et je ne sortirai pas tel que j'étais rentré. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va changer ma vie. Aujourd'hui, Dieu va me revêtir de sa gloire. Aujourd'hui, c'est le commencement de toutes choses. C'est pour cela que je dis que quelque chose de bon se passe. Il faut que tu sois connecté pour que tu arrives à saisir la grâce qui nous est donnée ce soir. La Bible me dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de son esprit. Abandonne ton corps, ton âme et ton esprit dans la main de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons ta présence éternelle. La salle prions. Si Paul et Silas, ils étaient qu'à Athée, ils ont prié. Oh, il y a eu des miracles. Nous nous sommes plus que des dieux. Je crois à la parole de Dieu. Il a dit là où c'est réduit, deux ou trois, il est là. Tu es là. J'aime Jésus. Parce que Dieu est là. Alléluia. Kota Sakababa Sandaria Baba Baba. Yendere Keboko Sotia Baba Baba. Que tu te manifestes au milieu de nous. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Tout-Puissant. La Bible nous dit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, papa, manifeste-toi. Christ a dit, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit descende. Nous avons maintenant besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mais bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu, si nous pouvons tous lire ensemble. Psaume 100. Si tu peux ouvrir ta Bible. Psaume 100, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel de cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, de génération en génération. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? La Bible me dit, et sa fidélité dure de génération en génération. La Bible me dit, venez dans la présence de Dieu avec des cris de joie. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Amen. Qui peut commencer à pousser des cris de joie très fort? Nous allons
amène à adorer notre Dieu. Tu es son peuple. Tu es venu dans sa présence pour lui adorer. Mais sache-le que c'est l'Éternel qui est ton Dieu. C'est l'Éternel qui est ton Dieu. Si tu as abandonné ta maison, tu n'es pas abandonné pour la prophétesse Magdala de Nazareth. Je n'ai rien à donner. Je n'ai rien. La Bible dit, je n'ai ni or, ni argent. Et mes pierres ont manqué. Ils ont manqué. Mais si tu as Jésus, tu ne peux pas tout manquer. Je peux manquer les habits. Je peux manquer la beauté. Mais si j'ai Jésus à moi, hey, il accomplit tout. Alléluia. Il est mon essentiel. Il est ma gloire. Il est ma fierté. Il est mon option. Il est ma force. Acclamons. Nous allons maintenant adorer Dieu. Que personne ne te méprise quand tu vas commencer à adorer. Thank you.
invoquons sa présence au milieu de nous. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Mes bien-aimés, invoquez sa présence. Il est là. Adore ton roi. Adore ton roi. Adore la présence d'Emmanuel. Il est vivant. Refuse de regarder celui qui est à côté de toi. Refuse de regarder celui qui est à ton côté. Il peut t'empêcher d'adorer. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Si tu es venu dans ce lieu, parce que tu as besoin de solutions à tes problèmes, parce que tu es venu adorer Emmanuel, prions mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh Yanda Rabasaya. Emmanuel, nous t'élèvons. Emmanuel, nous t'élèvons. Emmanuel, nous t'élèvons. Nous te donnons la place. Tu es parmi nous. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Nous avons besoin de toi, tendre Père. Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Oh,
Bâtiment voulu marcher. Hey! Il ne faut pas t'asseoir dans la maison de l'Éternel. Adore Dieu. Chante. Allonge-toi. Ou bien prosterne-toi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Jésus a gagné le terrain. Jésus a gagné le combat. Si nous sommes là pour Jésus, refusez de regarder les chaises. Moi, j'aime quand je suis deux. Ou toi, il est là. Amen. Même si je suis seul, je commence mandat au cache. Qui nous rose? Quand on n'aura pas au cache, c'est pas. Je suis pas ma couleur de paix, ni pour ce
Jésus très très fort, mes amis. Thank you.
Jésus.
notre sœur Patience Vanga. Acclamons le roi des rois pour leur arrivée. Acclamons Jésus pour leur arrivée. Tu n'as jamais acclamé, parce que notre tel que personne ne te méprise. Il est vivant. Oh,
Acclamons pour notre roi.